Merci, Père bon Dieu, avec nous. Dans l'action, la paix, bon Dieu, avec nous. Et nous disons, bon Dieu, merci. Nous bénissons, nous bénissons gloire et honneur que lui-même seul mérite. Tant que nous faisons chaque vendredi matin, nous essayons, dans la mesure du possible, pour nous au rendez-vous. Et déjà, nous disons merci parce que vous accordez nos privilèges à côté que nous sommes capables d'entrer dans la avec la parole de Dieu. Et avant même que nous commencions, nous voulons rappeler où que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que c'est seulement la grâce de Dieu qui est capable de permettre nous de faire travail là. Amen. Il y a une question qui souvent, que souvent posée, et souvent tout, qu'on a tant de discussions concernant ce sujet ça. Donc c'est une raison qui fait que je choisis et pour nous capables de débattre aujourd'hui. Hein. Pour nous porter un peu de lumière, parce que moi, j'ai remarqué que différentes personnes ont des réponses tout à fait différentes. Et de ça, nous retrouvons nos côtés que la vérité a été cachée. Et c'est une raison qui fait que nous créons le programme, ça, hein, pour nous capables, dans la mesure du possible, porter un peu de lumière. Et sous la dictée du Saint-Esprit, pour nous capables et permettre que chaque monde comprenne davantage ça aux pensées que tu connais et ça aux potes qu'on est. Question que nous gagnons, je dis, hein, et ces questions, ça a comme moins dit, que souvent dans des discussions là-dessus, et est-ce qu'on peut perdre son salut? Ça, c'est question hein, que nous parlons débattre. Est-ce qu'il y a un monde qui a perdu salut? Un monde qui finit sauvé, est-ce qu'il est capable de perdre salut? Et je songeais il y a quelques années, le m'accepter Christ, moi j'ai gagné, il y a un enseignement à la base, qui te ban mon réponse tout à fait différente. Nous te comprendre que ou gagnez une façon pour marcher et une fois que ou raté le pas, eh bien ou perdu salut. C'est ça que te fait me comprendre, c'est limité comprendre jusqu'à ce que avec le temps eh bien dans l'étude de la parole, lumière vient faire cette question. Donc, ça peut empêcher qu'un pile monde qui peut qu'on ait une réponse là, qui peut qu'on connaisse exactement comment ça fonctionne. Nous pouvons commencer à lire un verset biblique qui peut apporter un peu de lumière sur la question. Hein. Nous pouvons commencer avec 1 Peter, 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. Nous pouvons commencer à lire pour vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Donc, nous pouvons laisser rentrer davantage pour nous capables de comprendre qui ça que l'apôtre Pierre te voulait faire nous comprendre par là. Et c'est à partir de ça qu'on apprend nous compte que c'est une chose acquise. Le salut, contrairement à ça, on peut le monde comprendre. Alors, nous sommes capables de répondre de l'autre façon. Nous sommes capables de dire que, pour me répondre à la question, nous avons dit que, est-ce que ça lui en son bagage ou qu'a perdu? Et réponse n'a pas eu. Certaines personnes ont dit ça va dépendre de comment on gagne. Parce que si vous gagnez le salut à partir de bonnes œuvres, eh bien, une fois que œuvre n'est pas bon encore, vous avez perdu. Mais tant que moi-même et tant que presque tout le monde que je suis qui a écouté là, eh bien, nous gagnons par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, tant que l'apôtre la saute fait qu'on est, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, eh bien, salut ça, n'est pas capable de perdre. N'est pas capable de perdre. La raison pour laquelle Dieu a prévu un salut glorieux pour les hommes, c'est qu'il est miséricordieux. Les pécheurs ont besoin de sa miséricorde, car ils sont dans une condition pitoyable. Bon, Dieu t'es déjà ouais, condition, nous, t'es une situation. Nous. Donc, régénération, ça a qui fait là. Dieu a donné une nouvelle naissance, qui fait partie intégrante de ce qu'il a prévu pour le salut. Lorsqu'un pécheur vient à Christ et met sa foi en lui, il naît de nouveau dans la famille de Dieu.
et reçoit une nouvelle nature. Et genre de conversion, ça que m'a parlé là, il n'a rien à voir avec un changement de religion. Ce n'est pas ça que je voulais dire, et je ne vais jamais parler de religion. Le chrétien converti, le levina Christ, ça veut dire qu'il peut y un changement dans la vie. Et changement ça, nous pouvons le démontrer que le pavin de lui-même, c'est encore par la grâce de Dieu. C'est ça qui fait nous joindre que l'apôtre Paul, dans l'être qu'il a écrit l'église Éphèse, chapitre 2, verset 8, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nous pas choisi Christ, c'est Christ qui choisit nous. Et ça lui est sorti dans Jésus-Christ. Amen. Nous sortons lit que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Espérance vivante, ça, c'est la vie éternelle. C'est ça qui fait que, avec assurance, nous connaissons que vie éternelle, ça, c'est ça qui fait qu'elle est éternelle parce que le pas qu'à changer. C'est une chose garantie. Au moment de la conversion, il y a quatre œuvres divines qui prennent place. L'Esprit Saint a fermé, il marque avec un son, et puis il met dans le cœur où ça nourrit les arêtes de l'Esprit. Amen. Qui raison qui fait que il a fermé? L'œuvre de grâce et de salut de Christ a fermé le croyant parce qu'elle l'établit sur de fermes fondations en lui. Pour qui ça que les bonnes onctions, pour qui ça les ouin nous, le Saint-Esprit met à part les chrétiens et leur communique la force pour la proclamation et le ministère de l'Évangile. Il mettait sol sous, il marquait nous avec soli afin d'authentifier et de protéger les croyants. C'est un coup son document pour montrer que document ça original, document ça c'est pour photocopier, document ça réel, et bien qu'on saut qui mettait ce document, mais c'est dans le contexte ça que le mettait sol sous. Arrête de l'esprit comme ce palier à son garantie de paiement. Donc, nous avons tellement, tellement de choses qui prennent place au moment que vous acceptez Christ. Donc, il n'y a pas de faire sens pour n'importe bagaille être capable de perdre du salut. Tant qu'on a pile monde qui a marché l'église, continue à répéter. Il n'est pas possible. Donc, point ça, je devrais établir, je devrais rentrer un petit peu plus en profondeur pour nous capables de comprendre que salut ça. Christ paye un prix, ok? Christ paye un prix pour lui. C'est pas par hasard que nous joignons. Donc, ce n'est pas un bagage que nous sommes capables de faire comprendre. Et bien, nous avons perdu salut, ou bien des fois, nous contentons que nous avons perdu l'Esprit Saint qui était sous lui. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on joue Christ, il mettait l'esprit dessous et puis c'est ratifié. OK? C'est ratifié, c'est pas gagné que vous avez fait avec ça. Héritage ça, hein? Apôtre Pierre montrait aux chrétiens que héritage ça allait au-delà de difficultés que vous avez rencontrées parce que c'était des chrétiens persécutés. Nous joignons héritage ça, hein? Il fait partie de dont vie qui au-delà de l'espérance nous. Et avec précision, nous soutenons que il n'est pas capable ni corrompre, héritage ça n'est pas voué à disparaître, ni susceptible de se débraler par délabrer. Parce que son bagage est bien sécurisé, il n'est pas capable de corrompre, il n'est pas capable de souiller, il n'est pas capable de fléchir. Contrairement à des choses de la terre, des choses matérielles, qui dans le monde que nous vivons là, il est capable de subir, il est capable de conflit, de flétrir, et bien ça, il n'est pas capable. Il y a un état permanent que le garder, et ceci par la puissance de Dieu. C'est ça que fait vous parler de la puissance de Dieu, cette puissance suprême, l'omniscience, l'omnipotence et la souveraineté de Dieu, non seulement préserve l'héritage, mais garde aussi le croyant en sûreté. Personne ne peut voler le trésor du chrétien. Ça, moi, je garantis ça. Et personne ne peut l'empêcher de le recevoir. Donc, chrétien qui vivent en dans l'Église, qui souvent continue à poser cette question, est-ce que vous sauvez?
Des fois, mon a une hésitation, il pas connaît, tantôt le senti et que dit en feu, tantôt tout le senti la refroidit, et puis c'est des questions qui se posent. La demande est-ce que c'est pas ça le perdu? Eh bien, je viens d'aujourd'hui hein, que ça lui pas dépend de feeling, il pas dépend de émotion, il pas dépend de où. Parce que c'est pas où que tu es choisi pour sauver. Même cette foi qu'on nous parle, parce que nous faites lire que et pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. Eh bien, le chrétien prend décision et quitte l'Esprit Saint convaincu pour le tourner au regard vers Christ, même cette foi vient de Dieu, ça ne vient pas de vous-même. Ou pas rien en haut de bon qui t'a capable de permettre qu'on manifeste foi ça. Cette foi vient de Dieu. Donc, la foi persévérante du chrétien prouve la puissance de Dieu pour le préserver au moment du salut. Dieu suscite la foi et il continue à la protéger. La foi qui sauve est permanente. Elle ne meurt jamais. Ça vient de Dieu. Il y a le monde qui peut réaliser que le fait que ou soif, mon Dieu, ou fou pour lui, ça n'a pas venu de l'effort personnel ou non, son grâce, oui, que lui. Parce que ce n'est pas tout le monde non, qui accepte tant de l'évangile. Il y a le monde qui a une musique, on prêche à fête, on parole à parler, ou bien on musique de louange, de gloire à Dieu. Déranger mon ça. Il t'a aimé éteindre la radio, elle parle l'étendre. Parce que le pagan en lit élément pour qu'il permette que le recevoir. Mais ou même qu'à chanter, ou même qu'à prier, ou même qu'à prêcher, ou même qu'à évangéliser, c'est pour la grâce de Dieu. Ou même qui fout pour bon Dieu, qui soif pour lui, hein, qui toujours chercher que parole là est. Parole là pas jamais suffit. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, quand j'ai donné ma vie à Christ, eh bien, j'étais tellement surpris de la puissance de la parole de Dieu. C'est en prière que je me suis fait et que je continue à faire jusqu'à présent. Je toujours demandé, bon Dieu, pour ne pas quitter, vente moins plein de lui-même. Il faut toujours soif, il faut toujours grand goût pour parole. Et il a exaucé ma prière, il a écouté ma voix. C'est plus belle bagaille qui a gagné pour toujours soif de la parole de Dieu, soif de la présence de Dieu. C'est en grâce que lui. C'est pas donné à tout chacun. C'est ça qui fait, ou même qui gagne chance, ou est qu'au fou pour l'évangile, levez mes mains en l'air, dis bon Dieu merci, parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Cette foi-là qui te conduit, foi ça qui permet que continuer chemin, qui permet de continuer à avancer malgré les difficultés, cette foi vient de Dieu. Tout a été orchestré. Pas rien qu'on participait. Tout a été orchestré. C'est ça qui fait que la Bible nous dit que non, t'es dit quand t'as choisi, t'es quand t'as inscrit dans le livre de vie avant même la création du monde. Donc, participation dans le salut, c'est zéro. Ou pas participer dans rien dans le salut. Même accepter Christ, l'a ouvert bouche ou pour dire quoi, accepter Christ comme sauveur. Foi ça qui dirige vers Dieu, c'est une foi, c'est une grâce accordée par Dieu. Par Dieu, c'est seulement Dieu qui t'a accordé, oui. Parce que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas rien de bon dans vous-même. Nous sommes tous pécheurs. Dans le livre de Tite, chapitre 3, et verset 7, nous lit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. C'est une vie éternelle. C'est cette espérance-là dont je vous parle. Nous sommes parlé de lui tout à l'heure. Nous t'ai parlé de l'héritage, qu'on y en a parlé de l'espérance, qui a le même sens-là parce que nous sommes des héritiers. Il parlait de héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Ça ne change pas. C'est une grâce accordée à Dieu, par Dieu. Ce n'est pas parce que ou font faute matin là, ou font péché, parce que nous, avant tout, nous sommes pécheurs. Et puis, vous dites, ah, bon Dieu, efface
Si c'était pour les hommes, non, t'as pu passer longtemps dans la carrière. Tandis que pasteur, on prend, le conduit, tu regardes un fidèle, il dit, t'as pu passer nos fidèles là dans la carrière. Bon, non, pas capable même écrire dans la carrière. Et puis, il y a une autorité pour retirer, non, il y a un monde qui a servi mon Dieu dans la carrière. Le bon Dieu fin choisi, le bon Dieu fin mette saul sur vous-même, pas gen rien. Personne pas qu'à voler, personne pas qu'à retirer la dame. Ça, son grâce que lié, et ou même qu'à servir mon Dieu, l'île pour réaliser. Et ça a bon plus, la bonne fondation qui est beaucoup plus solide. On a bien des racines qui sont plus profondes, parce que esprit de doute, ça n'a pas venu de Dieu. Lorsqu'on que mon de temps en temps a posé cette question, est-ce que le sauvé, le pas qu'on est, en disant, non. Supposer gain assurance, et reconnaître que Christ fait travail là et son travail complet. Ou pas rien pour ajouter là-dedans. Ou pas rien pour ajouter, seulement avec obéissance, ou pas suivre toute ordonnance, parce que Christ nous a appelés et nos modes de vie, c'est ça qui fait régénérer nous, parce que ça ne vient pas de nous. Changement, ça a qui la caille nous. Non seulement c'est manifesté à l'intérieur, c'est spirituel, mais il déborde, il sorti dehors, côté que le monde est capable d'observer pour dire, mais, il y a un changement là, quand même, ça. Fils, ça, c'est pas comme ça, le langage a changé, le comportement a changé, la façon de faire a changé. C'est parce que le travail a été fait par l'Esprit Saint. C'est pas bonnes œuvres, c'est pas rien qu'on fait, pas mettre en tête ou que c'est façon qu'on marche dans l'église. Non, le Christ, on peut quand même marcher dans l'église, on peut quand même la prier, pas qu'on a rien. Donc, si elle choisit aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un t'a fait provision pour vous. Néanmoins, il m'a dit à ce que nous marchions d'une certaine façon, hein, pour qu'il fasse le plaisir. Amen. L'apôtre Paul bien dit ça dans le livre romain. Il fait connaître que ce n'est pas en licence que le bail. Il dit non. Si la grâce abonde côté qui gagne pile péché, est-ce que son invitation au péché? Il dit non, loin de là. Loin de là. Christ est déjà tout calculé. T'es déjà calculé, il connaît que même le finir l'eau, ou a bien des difficultés, parce que on a un corps qui n'est pas régénéré. Hein? C'est jusqu'à la fin où on va recevoir étape ça, mais pour l'instant, on est susceptible à des erreurs. Il dit que grâce là vient plus, hein? Côté que gain péché, gain plus grâce toujours. C'est ça que tu es sorti pour critiquer Paul. Tu t'es pensé que c'est un enseignement que l'été a présenté l'Église pour l'été inviter Mounio pour faire plus péché, pour l'été qu'à recevoir plus grâce. Donc l'obligé corriger, il dit non, loin de là, ce n'est pas samedi. Mais il expliquait la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. C'est ça que fait souvent, il y a de l'assemblée ou à la donne, où tout saisit pour que, depuis que Mounio a bougé, mais il y a tellement critiqué, il y a tellement de yeux sous lui, c'est doit nous l'en faire ouvrir Mounio. C'est parce que ou joignent des mondes qui soi-disant à suivre Christ, mais qui continuent à fonctionner sous la loi. Ils n'ont pas même rendu compte de ça. Ils pensaient que c'est l'effort personnel pour le salut. C'est ça qui fait que Paul mettait en garde, il dit que si c'est comme ça nous posséder, eh bien Christ mourit en vain. Christ mourit en vain. Donc, c'est très important pour nous établir une ligne de démarcation, ça, parce que son erreur grave qui existait encore. Moi, j'ai exposé un effet qui était passé à côté de ça, nous t'ai parlé d'autre chose, je ne me pas rappeler exactement le terme que nous t'ai discuté, mais la première fois que nous discutons la question ça, c'est que si Christ, si l'homme au Christ, il y a une valeur pour vous, il faut reconnaître grâce. Il faut mettre de côté œuvre, parce que il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Il faut reconnaître qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Amen. Donc, il a fallu que nous fassions aller sur ça pour nous faire nous comprendre parce que ce sont des questions que souvent, je présente, en plus, le monde d'âme est qu'on est. Est-ce que le salut, c'est quelque chose acquis? Ou bien, est-ce que quand le bon matin, il perd du salut? Donc, une fois comprendre, la façon dont tu as perdu, c'est sous-gagner à partir de œuvre. Ça veut dire que sous-juger que tu as tellement bien marché devant Christ, c'est ça qui force le monde sauver. Eh bien, jour qu'on fait faute, jour qu'on tombe, il y a exactement le même résultat au monde qui a marché sous la loi.
et on va tomber quand même parce que la loi, pas un monde sur la terre qui est capable d'accomplir toute bagaille la loi fait. Mais soit accepter tant que tout le monde que c'est par la grâce que vous êtes sauvé, et bien ça c'est éternel. Amen. Donc je pensais que ça pouvait être assez de lumière dans l'esprit un peu le monde qui était très confus, qui pas de connaître exactement côté au campé avec salut ça que vous recevoir. Un gros prix que tu payé pour lui comme nous connaît, c'est avec le sang de Christ qu'on recevoir salut ça, ou pas de faire effort pour lui et même leur ouvert bouchou quel que soit côté tayé mais leur prendre décision ouvert bouchou accepter pour suivre Christ ou accepter pour Christ une sauveur personnel ou accepter pour marcher après lui, eh bien ça vient de Dieu. Notion foi ça, nous pas gagner dans nous-mêmes ni pas dans nature, nous. C'est un cadeau de Dieu. Donc pas critiquer un autre monde qui a du mal pour l'accepter parole là, même leur roi forcer pour le tendre, il pas comprendre ni, il pas l'accepter. C'est par la grâce que ou même accepter, c'est par la grâce que ou gagne la foi qui permet que ou fou comme ça pour Christ. C'est pas tout le monde qui a chance ça. On peut prier pour monde. On pas besoin d'une discussion avec elle, on pas besoin d'essayer de convaincre lui pour aller au-delà de possibilités. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Amen. Donc, nous disons Dieu merci, nous bénissons, nous bénissons gloire et honneur que lui-même seul mérité. Donc, on fait chaque fin de semaine. Moi, je souhaite que nous passions un week-end agréable. Moi, toujours invité nous pour nous rester dans la prière, rester dans la parole. Et permettre que l'Esprit Saint capable de pénétrer nous. Si il y a un monde qui a du mal pour comprendre la parole, l'Évangile, non? Eh bien, il a toujours été sous genoux, continuellement des bons dieux, pour lui ouvrir l'intelligence, pour l'éclairer, pour le barrer plus de compréhension. Parce que de par notre connaissance, nous ne pouvons pas comprendre la parole. La parole là, c'est pas à partir de classe qu'on fait ou bien fréquentation, non, non. C'est seulement l'Esprit Saint qui est capable de porter lumière sur la parole. Donc, l'on ne pas comprendre ni, demandez l'Esprit Saint pour l'aider, demandez l'Esprit Saint pour le mettre sous chemin où il y a un monde qui a expliqué au lit, et ceci pour la gloire de Dieu. Amen. Que grâce, bon Dieu, continue à accompagner nous, que Père rete avec nous, que visite avec nous. Si il y a un monde qui est malade, qui a écouté la parole, là, demandez pour Seigneur, dans grâce, li, selon volonté, li, pour ta toucher mon saillot. Et nous était ferme temps difficile dans pile distraction dehors mais si Dieu nous était fixé sur Christ n'a pas trouvé force n'a pas trouvé tout ça nous avons besoin pour nous faire route là. Amen. Continuez faire travail évangéliste nous continuez passer message là bas l'autre monde des monde qui soif des monde qui a cherché vérité et n'a fait travail ça ceci pour la gloire de Dieu pas une pièce pour filadan nous pas fait ni CD ni cassette pour nous vendre. Mais nous arrangeons à ce que le message a distribué parce que tout le monde qui a servi Christ, il a touché déjà. Amen. Tout le monde qui a servi Christ en esprit, en vérité, il a déjà touché. Amen. Que bon Dieu bénisse. La paix.